In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Fable dans son édition Anniversary. Fable Anniversary, c'est donc un jeu sorti en 2004 sur Xbox et Windows, édité par Microsoft Game Studio, développé par Lionhead Studio et réalisé notamment par Peter Molineux. Il s'agit du premier épisode d'une série de plusieurs jeux. J'ai personnellement joué au numéro 2 qui m'avait énormément plu, Fable premier du nom. Eh bien écoutez, je ne le connais pas, ou alors je le connais peut-être, mais je ne m'en souviens absolument plus. C'est un jeu donc en troisième personne dans un univers un petit peu fantastique, même carrément fantastique. Que vous dire de plus ? Eh bien écoutez... C'est un jeu d'aventure qui va durer quelques épisodes, ça je peux vous le dire, puisque c'est en monde semi-ouvert. On incarne donc un héros qui va devenir soit gentil, soit méchant, suivant nos choix et nos actions. On va glisser vers le côté obscur ou le côté sympa, pas de la force, mais voilà. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Fable est un jeu très poétique, moi j'aime beaucoup. Je pense qu'il convient à tous les publics, donc n'hésitez pas à partager, à liker évidemment chaque vidéo et à vous abonner si tout ça vous plaît. Voilà, donc on est parti dans le monde fantastique d'Albion pour ce premier épisode, hein, je cherche mes mots. Et c'est parti. Voilà, on va lancer tout ça. On va démarrer une nouvelle partie, j'avais fait mes petits tests. Vous allez avoir la chance d'avoir une aventure en 4K. Et ça, c'est trop bien. On sélectionne monsieur le héros numéro 2. Je crois qu'il est sélectionné. On va pouvoir faire une nouvelle partie. Alors, poulet, héroïque. Ah oui, d'accord. Non seulement les fioles de résurrection n'existent plus, mais les ennemis sont bien plus coriaces et les potions de vie plus rares. Bah écoutez, y a pas un intermédiaire là. Bon bah, voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser hein, que Fable Anniversary est donc une réédition à une heure. Ça, c'est la carte, et on va donc commencer à Oakvale. Tire sur un format hein, d'une trentaine de minutes à peu près pour chaque épisode, ça me paraît pas mal, à moins que ça dure plus. Au cœur des forêts d'Albion se nichait la petite ville d'Oakvale, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivaient un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour... un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendait. Allez, debout. Bon alors, évidemment... Encore à rêvasser, hein. Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages. Les cinématiques sont dégueulasses, hein, en termes de qualité. C'est le jeu en lui-même qui est en 4K, hein. Ce sont visiblement pas les cinématiques. Elle est partie jouer près de la porte des Barrowfields, et tu ne lui as pas encore offert de cadeau. Ne me dis pas que tu as oublié. Pas question que je fasse tout pour toi, cette fois. Alors ça, c'est papa. Je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Oakvale. Ah. Ça devrait être suffisant pour un cadeau. Allez, vas-y, et évite les ennuis. Ça marche, bon.
Parlez aux personnages représentés par un point vert sur votre carte, ils ont des choses intéressantes à dire. Ces personnages sont en surbrillance verte quand vous vous en approchez. Appuyez sur Tab pour parler à une personne en surbrillance. D'accord, donc on va être en mode un petit peu tuto, je pense, sur cette première partie. Alors on va parler à cette jeune demoiselle. J'ai perdu Rosie. Je l'ai laissée, mais je sais pas où. D'accord. Je dois changer son rembourrage, mais je ne la trouve pas. Aide-moi, c'est un mignon petit ours en plus. D'accord, ok, ça marche, on essaiera de trouver ça. Petit casse-cou, tu vas jouer avec tes copains? On peut rentrer ici ou pas? Si, bah c'est trop. Non, on peut pas. On doit sans doute pouvoir aller derrière alors. Quoi? Mais j'étais juste... Je n'ai jamais rencontré cette femme, c'est qui? Pas un mot à propos de tout ceci, d'accord? Et si je raconte tout? Ma femme est à la maison avec les gosses. Moi, je suis censé travailler. Mais un homme devrait pouvoir faire ce qui lui chante. Je vais te dire, si tu gardes ce secret, je te donne... Allez. Bon gars, tiens, ah, c'est une voici pièce, hein. Une pièce. Un conseil, ne t'occupe-toi de toi. Oublie les autres. D'accord. Bon, on a gagné une pièce, on s'en fout. Est-ce qu'on peut le dénoncer maintenant? Est-ce qu'on peut le dénoncer? En vrai, j'aimerais bien, comme ça je gagnerais une autre pièce, peut-être. Alors... Maintenant, Camelot! On a ce monsieur. Salut, gars! Je suis un marchand. Une petite fille m'a dit... Et il paraît qu'il se trouve pour 3 pièces d'or. Peut-être plus tard. Rappelle-toi. Ouais, ouais, ça marche. On peut pas le voler, lui? Non, parce que... Regardez, je t'ai eu, petit sacré. Quoi? J'ai fait quoi? Il paraît que tu aides à une relation illicite entre un homme et une femme. Mais comment il peut être au courant? Ce comportement... Et tu étais plus vieux, tu dois prendre... J'en reste... Mais comment tu peux savoir? Enfin, vous avez quoi dans le crâne? Mais comment il a pu savoir? Je suis un garde. Pas le... À moi de vouloir passer la... Et maintenant, des... Ouais, t'as de la chance. T'as de la chance que je sois pas plus grand, hein. Alors... Loué soient les dieux! Pourrais-tu mon... Je dois... la nature m'appelle. Pourrais-tu rester ici? Rester là et je placerai un mot en votre fa... Je reviens vite. Alors... Très bien. D'après mon cousin, les tonneaux dans ces entrepôts pourraient contenir des trucs. Vite! Voyons ce qu'il y a dans ces tonneaux pour... À moins que tu n'aies la trouille ou... Viens, allons casser des trucs. Et tu vas rester planté là comme toi, un arbre ou pas? Tiens! Pourquoi ça? Parce que tu veux casser des tonneaux! C'est bien fait! C'est si ennuyeux d'être gentil! Bah ouais! Parce que tu l'as mérité! Pourquoi? Et tiens, une troisième aussi! Tu as entendu son bruit? Plutôt. Pourquoi ça? Moi je frappe les petits, moi! Je frappe les poules! Allez, aussi, on a le temps avant qu'ils reviennent! Voilà! Ah, c'est pas drôle du tout! Et non! C'est comme ça, mon grand! C'est comme ça, moi je vais gagner une pièce d'or et pas toi! Très bien, fais donc tes bonnes actions! Eh! Eh oui! Allez, le temps est passé! Tant pis, on ne saura pas ce qu'il y a dans les tonneaux, mais au moins. Excellent! Tu m'as rendu un grand service! Vas-y, file les pièces! Je dirai à ton père quel bon garde tu es! Ah, très bien! Très bien, très bien. Je vais peut-être aller récupérer une pièce. Diable, je vais l'attraper. Non, non, tu vas pas m'attraper. C'est pas parce que j'ai frappé un petit que tu dois m'attraper, mon grand. On va aller parler au père, on déjà. On sait jamais. Ah, si on peut récupérer une pièce, ce serait pas mal, hein. Pour commencer. Il est où, le vieux? Le daron, là. Brom. Quoi? Encore, quoi? On me parle attitude. Mais tu sors d'où? Aide à une relève. Vous vous rendez. Allez maintenant. Ah mais c'est bon. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, ça. Je peux parler, sinon. Je suis un homme de. Mais si tu crois que je vais faire. Écoute. Et alors? Non, non, pas encore. J'ai 2 pièces d'or. Très bien. Alors. Ensuite. J'avais peur qu'il me la sucre parce que j'avais fait une mauvaise action, donc je préférais d'abord assurer le coup, si vous voyez ce que je veux dire, et ensuite après, voilà.
Alors, là, j'ai aussi une dame. Mais honnêtement, où est mon bon Harry? Mais où est donc mon bon Harry de Marie? Avec une... Je gère la maisonnée? Dis, si tu le trouves... Bah, je peux te prévenir, je l'ai vu. Bah oui. C'est bien vrai. Je vais en faire... Merci de m'avoir... Oh! Accomplir une bonne action comme ça, ça... C'est bah d'accord, il faut trahir, c'est bien. C'est une bonne action, vous appelez ça, faire un truc comme ça là. C'est pas grave, hein, ça me fera des pièces, c'est très bien. Alors, Teresa. Salut Teresa. Bonjour cher petit frère. Ah. J'espère que tu n'as pas oublié quel jour on était, comme l'an dernier. T'inquiète. Désolée de t'avoir réveillée cette nuit. J'ai encore fait l'un de ces rêves. J'étais dans ce champ quand quelque chose est arrivé, mais je ne sais pas quoi. Mais on s'en fiche, j'attends toujours mon cadeau, dis-moi. D'accord, ok. Tu n'as pas oublié que... Ah, c'est bon. Très bien. Teresa. Est-ce qu'on peut passer par là? Visiblement, oui. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Visiblement, non. On va voir. En tout cas, il y a un joli petit pont. J'aimerais bien trouver l'ours en peluche de la mioche, là. Là, il y a deux personnes à qui parler. Espèce de petit crétin. Ah, ça, j'aime. Tu es occupé avec le morveux, là. Il commençait à m'énerver à jouer avec ma sœur et son ours en peluche. Il ne veut pas me le rendre depuis que j'ai dit que je lui arracherais la tête. J'ai dit que s'il ne faisait pas ce que je voulais, je ferais de sa vie un enfer. Bah oui, t'as raison de me raconter ça. Et toi, quelle est ta version? Empêche-le! À l'aide! Il parcourt la ville et casse la figure au plus petit Ah, comme lui. Moi, en fait. Tu as l'air fort. D'accord. Ça me va. Ah ah, et que faites-vous? Oh, je le massacre! Pardon, mais je vais le laisser tranquille, mais ne frappe plus, s'il te plaît. Vas-y, file une pièce, là. Merci. Merci de l'avoir arrêté. Je peux te piquer ton doudou ou pas? Je te laisse, Rosie. Elle sera en sûreté avec toi. Bah, vas-y, je récupère. Ok. Bon. C'est très bien. On a ce qu'il faut. Il cherche la bagarre, lui, ou quoi? Ça se passe comment, là? On a ce qu'il faut, normalement. On va aller parler au père. Ah oui, c'est à toi. Bah oui. Tu as trouvé Rosie? Merci. Bah oui, quand même. On va le donner à la petite. Bon, change. J'espère que tu vas filer plein de pièces d'or, papounet. Hein. Ce serait bien quand même. Je suis pas rentré dans la maison. Il y a peut-être des trucs à récupérer d'ailleurs. On va aller voir. Je suis... Mais si tu crois que je vais faire... Écoute, ouais, bien, c'est... je crois que tu disposes... Non, pas encore, mais je vais y aller. 5 pièces d'or. Est-ce qu'il y a des trucs à fracasser ici, là? Ok. Il y a un journal... On fouille la maison. Il y a peut-être des petits trucs à récupérer. Sait-on jamais. Les affaires du papounet. Les livres de nos parents. Ok. Eh bien, on va aller acheter le truc du marchand. Hein. Enfin, le truc pour le marchand. Comme ça, on ira le filer à notre charmante petite sœur, Rosie. Des choses, merde. Heureusement, je les... Vite, donne-moi... Bah, écoute... Ils sont à toi, jeune homme. Souhaite un bon... Très bien, il nous reste 2 pièces d'or. Allons les donner à la sister. Et ça, et c'est enfin, pour toi. Vous avez quoi dans le crâne? Je suis un gars à moi de... Et maintenant... Vous êtes... Un peu fou. De toute façon, je perdrai pas mes pièces. Et toi? C'est enfin, pareil. Vous avez... Je suis à moi de... Et maintenant, dégagez. Voilà. Et je peux le faire, pour le moment, je le fais. Hein.
Après, ce sera plus vraiment possible, donc. Faut pas se priver, hein. Faut pas se priver des bonnes choses dans la vie. Bon, je sais pas si tu mérites, hein. Je savais que tu m'offrirais des chocolats. C'était pas censé être comme dans mon rêve. Rentrons à la maison. Bon, normalement, il va se passer un truc, alors. Puisqu'elle a dit, Attends, il y a un problème. Oui, dans son rêve, il y a un truc de merde. Mais quelle horreur! Les voilà! Tu dois te cacher! Ah, elle a la voix de Princesse Fiona dans Shrek! Elle a la voix de Princesse Fiona dans Shrek! Ah bah toi, tu vas y passer, c'est sûr. Quelqu'un! Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Le mal s'était abattu sur Oakval. Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouge sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais bientôt, leurs corps jonchaient les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivaient le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se battit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie tout entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Ok, voilà, qui lance un peu le jeu, on va dire. Bon. On n'a pas des masses de choix. Je pense que si on tombe sur un brigand, on ne pourra pas l'affronter. En tout cas, il faut retourner à la maison. Merde. Si, c'est bon, ça passe. Je pensais que ça passait pas, mais ça passe. C'est un conte qui commence bien méchamment, dites donc. Ouais, petit gars. La vie est dure. Ce lieu n'est pas sûr. Partons. Stylé ! Tous morts. Tu ne veux pas les rejoindre, hein ? Bien. Donne-moi la main. Stylé ! Petite téléportation. Lookout point. Je pensais que ton estomac était plus costaud. Allez. Garde tes forces, petit. Ce n'est pas moi que tu dois combattre. Oui, tu ne l'as peut-être con, pas remarqué, mais je t'ai sauvé la vie. Il n'y a plus rien pour toi à Oakval. Et si tu étais resté, tu serais mort comme tous les autres. Viens avec moi. Je m'appelle Maz et je dirige la guilde des héros. Ah, stylé, tu as dû ça. En entendre parler. Non. Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion. Tu peux même l'appeler ton foyer. Si tu veux ta revanche, il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons. Nous y voilà. Je vais te présenter au maître de la guilde.
Il sera ton guide désormais. Heroes Guild. Bah dis donc, on en fait du chemin. J'ai un nouvel élève pour vous. Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Suivez-moi, alors. Moi, je suis pas certain qu'il sache ce qu'il fait. Hein. D'accord. Suivons, machin. Vous partagerez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Ah, en fait, on est elle en joue dans Harry les Potter, bois quoi. Pour le moment. C'est Harry Potter vous et Hermione. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez vous reposer. Vous commencez demain. La vie est dure. Faut se réveiller. Tu dois être mon partenaire. C'est quoi cette voix? Plus petit que je ne pensais. Moi, c'est Whisper. Je suis là depuis un mois. J'avais la chambre rien que pour moi, mais... c'est pas grave. Tu parles en dormant. Tu faisais un cauchemar ou quoi? Ça arrive souvent les premiers jours. Il y en a qui tiennent pas une semaine. Toi non plus si tu n'y vas pas. Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte. Elle a une voix ne de garçon. Pas en retard le premier jour. De garçon ado quoi. Suis-moi. Alors que c'est une meuf. Vous étiez obligé de forcer sur sa voix là? On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre. Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière. Allons-y. Vas-y, je te suis. Je peux te taper ou pas? Les mesures seront pour dernier avertissement. C'est quoi le dernier avertissement? Il faut que je te le répète combien de fois, gamin. Nous avons été très patients avec toi. Alors arrête! Alors arrête! Arrête-toi tout de suite! Un autre incident de ce genre et tu vas le regretter. Ah ouais? Veille donc à ce que cela n'arrive plus. Et tu vas faire quoi? J'ai trop envie d'essayer. Et tu vas faire quoi? Hein? Je t'ai sauvé la vie une fois, mais je peux très bien te la reprendre. 5 mauvaises actions. Ok. Y a pas des choses à piller là? Toi, je peux te parler du coup, c'est ça? Tu dois faire tes rapports au maître de la guilde pour savoir où il se trouve. D'accord, ok, tu sers à rien en fait. Bon, j'avais pas le droit de la taper, j'avais pas le droit de le taper. Putain, on peut rien faire dans ce pays là. C'est quoi cette merde? Et ça, je peux le taper ou pas? Alors, on a quelqu'un par ici. On va aller lui parler. Putain, stylé! Les tombeaux là. Pas mal. Delph, la plus puissante sorcière d'Albion. Attends, on va faire le tour, on va regarder. On est là pour regarder aussi. On va prendre notre temps. Holder. Chevalier dragon. Ok. Ah oui, donc c'est mon tombeau en vrai. Ou non, c'est le tombeau de base. Solsus, le mage légendaire. D'accord. Je l'ai fait en 50 secondes et on discute pour savoir si je suis l'apprenti le plus rapide. Bah déjà, enlève ta capuche là, parce que tu vas rien voir quand j'ai mis 50 secondes aller-retour. Ouais, je pense. Allez jusqu'à la porte démoniaque. Si je n'avais pas cette blessure à la jambe, je ferais mieux. Par contre, je peux courir ou bien ça se passe comment? Parce que moi, je peux pas courir là, non? C'est où la porte démoniaque? C'est où la porte démoniaque? Elle est où cette porte démoniaque de merde? Ah, c'est là-bas. Ah bah non, c'est mort. Hein. Il est baisé le truc là. Il est complètement baisé. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Ah, on peut péter! Génial. Ça c'est quoi? C'est un coffre qu'on peut ouvrir visiblement. Ah oui, 20 clés en argent quand même.
Tant pis pour la mission. Vous avez réussi à vous séparer de... Voyons si vous possédez le moindre potentiel. Allez. Entrez dans le ring. Je veux que vous frappiez ce mannequin. Donc on est toujours dans la phase tuto, hein. Toujours dans la phase tuto. Continuez. Je vous dirai quand arrêter. Espace pour viser le mannequin. Bouton gauche pour attaquer. Oui, pour l'instant ça va. Eh bien, ces impacts m'ont l'air plutôt faibles, hein? Pour l'instant, c'est pas mal. Essayez ça. Ah, bien. Kukei, c'est quoi Kukei? C'est-à-dire quoi Kukei? Attends. Moi, je veux bien, mais dis-moi juste comment... Donnez-lui un bon coup avec votre bâton. Ouais, non, mais Kukei, c'est quoi Kukei? C'est quoi ses yeux, là? Donnez-lui un bon. Mais j'ai bien compris, mais comment tu prends l'alarme là? Gros. Kukei. Comment c'est quoi Kukei? Comment je prends l'arme là? Attends. Donnez-lui un bon coup. Appuie avec votre bâton. Kukei, oui, bah Kukei. Kukei. Oh, coup de pied. J'ai fait un coup de pied là. Non? J'ai pas compris comment j'ai fait d'ailleurs. J'ai pas compris. Mais j'ai compris ça! Lâche-moi un peu le vieux. Attendez, attendez, attendez. Kukei. Kukei. Qu'est-ce que c'est Kukei? Ouais. Ah, d'accord, c'est A. Kukei. Ok. Voilà, c'est plus simple comme ça, hein. J'ai compris. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Mais bien sûr. Quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin, il libère des orbes d'expérience. Je vais récupérer. Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat. Ramassez-les, c'est très important, sinon vous n'apprendrez rien. Ramassez cela. Ah ouais? Ouais, pas mal. Beau travail. Demain, nous pourrons... C'est l'alarme de la guilde. On dirait que quelque chose rôde dans les bois. Tu veux que j'aille m'en occuper? C'est une bonne occasion de tester votre force d'âme. Je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème. Oh, le mec, il me laisse tout Quand faire, Quand vous aurez là. Fini, nous parlerons de votre entraînement. Le mec, il me laisse tout faire, hein. Tuer les scarabées qui infestent les bois, d'accord. Est-ce brouf? D'accord. D'accord, très bien. Je prends. Ok, ok, ok. Alors, voyons voir. Ah, maître. Appuie sur le bouton gauche pour choisir une option et sur B pour revenir au menu précédent. Ah oui, ok, ok. Récompense de renom, entraînement de guilde, très bien. Pas mal le petit menu là. Très sympa. Équipement, on a un bâton, on a les stats. Des objets, putain, c'est pas mal, hein. Équipement, ouais, bon, c'est parce qu'on n'a pas grand chose, je pense, qu'on a que ces trucs là. Très bien, la bourse ou la vie, ouais, 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 ok, très bien. Alors, on peut parler à qui là? Toi, on peut pas te parler. L'autre il est en train de se diriger vers sa truc, l'autre il y a une mission qui m'est un peu compliquée là. Par contre il y avait un autre bus. Je pense pas qu'on puisse courir. D'accord. On peut rigoler, c'est cool. Heureusement d'ailleurs qu'on peut rigoler. Il y a une petite icône. Aucune chance, je suis l'apprenti le plus rapide de la Vous êtes le plus arrogant, c'est sûr. Et toi? Je suis le plus rapide. Non, pas du tout. Non, toi, on peut pas te parler. Ouais, bon, lui, on peut pas le... Je crois pas qu'on ait les armes, hein, pour le... faire mieux. On va se diriger par là, ma foi. Oui, on peut se diriger par là. On a quelqu'un à qui parler aussi dans le bâtiment qui est là. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir courir, hein.
vous avoue. À mon avis, après, on pourra tirer à l'arc. On va nous apprendre à tirer à l'arc. Écoutez, on va aller buter les scarabées, là, ce sera fait. Merde, j'ai fait quoi? J'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces. Massacrer les scarabées des bois. Bon, bah écoutez. Je viens de perdre mes pièces. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Alors, on va tuer les scarabées alors. Attendez, je regarde. Je peux pas passer là? Oh. Soyez sérieux que c'est un peu. Oh, enfoiré. Pas terminé. Récompense. Ok, très bien. Bon, je prends. Hein. Bien joué, garçon. Les scarabées sont tous morts. Vous pouvez sortir des bois. D'accord. Alors, faut juste que tu m'expliques un truc. C'est comment tu peux me parler de là où tu es, mon gars. Hein? Bon, on va mettre ça sur le on va mettre ça sur le compte du didacticiel. Mais je savais très bien que je pouvais sortir du bois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon travail, garçon. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Voilà, vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense. Si vous voulez plus d'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à d'accord, dormir. Donc on peut faire quelques missions, du coup, avant d'aller dormir. Bah ouais. Dès lors, le petit garçon vécut pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Oakval le taraudait, mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice, ses nuits aux études dans la bibliothèque. Enfin, il devint apprenti de la guilde, ainsi que Maz l'avait prévu. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. On se lève, petit flemmard. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Mais c'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller. En vitesse. Ça marche. Bah écoutez, on va se laisser là, les amis. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, cette nouvelle série. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau commentaire et votre plus beau like. Je serai ravi de pouvoir le lire et d'y répondre. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de cette nouvelle série. À très très vite donc, et à ciao, bye.